une fin de carrière qui tourne au cauchemar. Ce samedi 8 juillet, Mark Cavendish, véritable légende du sprint, a chuté lors de la 8e étape du Tour de France 2023. À seulement 60 km de la ligne d'arrivée, le coureur britannique s'est blessé à la clavicule et a été obligé d'abandonner. Une nouvelle d'autant plus triste que le sportif de haut niveau avait annoncé en mai dernier qu'il comptait prendre sa retraite à la fin de la saison. Heureusement, Mark Cavendish peut compter sur le soutien de sa compagne, Peta Todd, pour surmonter cette épreuve. En couple depuis de près de 13 ans, le sprinteur de l'île de Man s'est marié le 5 octobre 2013 avec sa dulcinée. Fous amoureux l'un de l'autre, les deux tourtereaux ont donné naissance à 3 enfants, nés en 2012, 2015 et 2018. Si Mark Cavendish est désormais considéré comme une légende de sa discipline, sa compagne est aussi une personnalité bien connue du grand public. Et pour cause, Peta Todd s'est imposée dans le monde du mannequinat à seulement 18 ans, en posant pour le média britannique The Sun. La jolie brune a ensuite multiplié les shootings, les apparitions en public, mais aussi les couvertures de magazines. Résultat? La compagne de Mark Cavendish a surfé sur cette vague de notoriété et a embrassé une carrière à la télévision. Elle a d'ailleurs co-animé à de nombreuses reprises l'émission Absolution, diffusée sur Absolute Radio. Supérieure à l'été où Kate Middleton a affolé le tour de France. Peta Todd, une femme engagée en parallèle de sa carrière, Peta Todd a également consacré beaucoup de temps pour aider certaines associations. En 2008, la mère de 3 enfants a vendu un vélo aux enchères avec lequel elle a parcouru plus de 600 km en 5 jours. Elle avait ensuite reversé la somme récoltée à Help for Heroes, une association caritative qui a pour but d'aider les militaires blessés lors de leur mission. La même année, Peta Todd avait accompagné des militaires et des femmes blessées lors d'une montée du mont Kilimanjaro. Là encore, l'ex-mannequin avait collecté des fonds pour le même organisme. Désormais, la compagne de Mark Cavendish se fait plus discrète dans les médias. En revanche, elle continue d'être très active sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram où elle dévoile les coulisses de son quotidien avec ses 3 enfants. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Photo News Panoramique.